Gran Premio di Trois-Rivières, anno 2015, e questo è per il campionato di World Rallycross della FIA. Abbiamo un programma speciale proprio qui da Trois-Rivières con dei piloti locali, Alexandre Taliani, Patrick Carpentier e anche Louis-Philippe Dumoulin con altre persone. Vedrete un Gran Premio che va molto veloce e che è molto eccitante. Allora siamo di ritorno e qui a Trois-Rivières nel quadro della FIA World Rallycross Championship ci sono proprio queste macchine, queste piccole macchine però che hanno una potenza straordinaria e vedrete con le riprese. Abbiamo con noi certi piloti, tanti che sono proprio qui del Quebec, uno dei quali che è il campione dell'anno scorso della Canadian NASCAR Series, il signor Louis-Philippe Dumoulin. Louis-Philippe, bienvenue à la trasmissione. Bonjour tout le monde. Louis-Philippe, première fois qu'on essaye de World Rallycross, ça a l'air tellement excitant. Parle-moi un peu de les émotions qu'on a dans une voiture comme ça. C'est vraiment plaisant. Écoute, c'est pas les types de voitures que je suis habitué de conduire, mais on parle de 500, 550 chevaux dans une Mini Cooper qui pèse environ 2300 livres à transmission séquentielle. Des freins qui sont très efficaces. Donc, beaucoup de technologie dans ces voitures-là. Des voitures qui coûtent environ 300-350 000 $ qui ont été bâties pour le WRC, en fait, le World Rally Championship. Donc, on a beaucoup de plaisir. Jusqu'à maintenant, des petits problèmes, par contre, sur ma voiture de surchauffe de moteur. Mais aujourd'hui, en fait, l'équipe JRM du UK ont changé le moteur overnight, comme on peut dire, pendant la nuit. Et puis, aujourd'hui, on devrait revenir en force. Mais écoute, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, Louis-Philippe Dumoulin, qui court pour WeatherTech, Jean Coutu, Trois-Rivières Métropolitain, Nicolet, ici à Trois-Rivières. Donc, vraiment, c'est dans ta cour, hein, c'est chez vous. C'est toujours un plaisir de courir ici. La semaine dernière, il y a eu quand même les courses de Canadian NASCAR. Ça aussi, ça a quand même été pas si pire, mais disons que quand on est le champion en titre, c'est toujours plus difficile, n'est-ce pas, de rester au sommet. C'est sûr que tout le monde veut ta ceinture, un peu comme à la boxe. Mais en ce moment, on s'en sort quand même très bien. WeatherTech Belmore, Somavrac, la voiture 47 la semaine dernière, quand même bonne. On n'avait rien pour Andrew puis M. Lacroix, mais je pense que ce qui est important, c'était de rester constant dans le championnat, puis ça va quand même très bien pour nous en ce moment. En fin de semaine, évidemment, encore là avec WeatherTech, mon commanditaire qui a embarqué pour 2 ans dans le score, et puis des groupes Jean Coutu du Grand Trois-Rivières nous ont aidés à mettre ça ensemble, et puis ça fait de moi un pilote qui est très actif dernièrement. Je pense depuis la fin juin, à toutes les fins de semaine, on fait des courses automobiles. Puis je viens de Trois-Rivières, je viens de Saint-Maurice, même un petit village de Trois-Rivières. Et on est très fiers de pouvoir évoluer en course automobile à ce niveau-là. Là. En fin de semaine, championnat mondial, on s'entend. Là. Exactement. Et la famille Dumoulin, on sait ton frère aussi, est quand même lui aussi dans course automobile. Vous êtes pas mal partout au Québec, même parfois aux États-Unis, parce que vous avez fait plusieurs compétitions un peu partout. De savoir qu'il y a un commanditaire comme WeatherTech qui est derrière vous pendant une couple d'années, parce qu'on l'entend toujours, hein, dans le sport automobile, Bertrand Godin l'a dit, Alex Taliani, tout le monde le dit, c'est difficile parce que ça prend beaucoup d'argent. Et sachant qu'il y a un commanditaire justement derrière vous comme ça, qu'est-ce que ça fait comme l'état d'esprit d'un compétiteur comme tu es? Bien, comme je t'ai dit plus tôt, justement, venant d'une famille, bon, très modeste, on a travaillé très fort, mon frère et moi, ma famille, mes amis, des partenaires d'affaires, pour justement se monter à ce niveau-là. Donc, en ce moment, oui, c'est plaisant de savoir qu'on a un contrat pour un plus long terme que juste un an, mais en même temps, on a gagné le championnat en 2014. Moi, tout ce que je veux, c'est justement redonner à mon commanditaire pour la confiance qu'il nous donne, puis le fait aussi que je viens du fait d'une famille que, bon, on a travaillé très fort. On a passé des années que c'était pas tout le temps facile, là. Donc, avoir WeatherTech qui embarque avec nous autres, Belmore, pour des termes aussi longs que ça, on veut juste performer encore plus.
Et Louis-Philippe, revenons ici à la série F1 World Rallycross. Le circuit ici, c'est quand même très différent pour quelqu'un qui fait du street circuit, si on veut, hein, des circuits routiers. Là, c'est routier, c'est motocross quasiment. Là. Parle-nous un peu de comment on fait pour s'adapter à ce genre de circuit-là, parce que la conduite sur la terre battue est complètement différente. Complètement différente. Et puis, comme on a dit plus tôt, ces voitures-là sont très puissantes. Et là, hier, j'ai pas eu beaucoup de pratique du fait, bon, on avait un problème de moteur, mais j'ai vu une photo passer sur les réseaux. Ouais, exactement, hier. Puis tu vois, ma petite Mini est à peu près, bon, quasiment plus que 3 pieds, environ 4 pieds dans les airs. Là, je me dis, waouh, je m'étais pas rendu compte que j'avais sauté aussi haut que ça. Donc, c'est pour vous dire que, en tant que pilote, moi, je réagis plus que je pense. Je vais juste faire mon possible pour justement m'adapter le plus rapidement possible à ce type de course-là. Mais en même temps, c'est un défi qui est incroyable parce que, comme tu as dit, moi, je suis un gars qui fait de l'asphalte habituellement. Et là, on fait les deux. Il y a une partie du circuit que je connais très bien et l'autre partie du circuit qu'il faut vraiment que je m'adapte tour après tour parce qu'on le sait, en terre battue, ça change. La piste n'est pas la même de tour ensuite et de la session d'ensuite parce que tout le monde passe un après l'autre. Ça gruge et ça change. Il faut que tu t'adaptes rapidement pour aller chercher l'adhérence. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre les pilotes qui sont plus rapides et moins rapides. C'est justement capable de s'adapter plus rapidement. Et vous avez un défi additionnel dans le sens que vous compétitionnez contre des pilotes qui font le circuit au complet, c'est-à-dire le championnat au complet. Donc, faisant le championnat au complet, ils sont plus à l'aise avec les voitures, ils savent plus comment se passe la transition entre l'asphalte et la terre battue et comment, justement, ça se gruge durant le circuit. Donc, ça représente des défis encore supplémentaires pour vous autres. Exactement. On parle d'un championnat du monde ici. On parle de pilotes, exact, très compétitifs. Pas seulement entre les pilotes, mais aussi les équipes. Bon, on a des équipes factory qu'on appelle Peugeot. On a des pilotes qui sont champions du monde en rallye, des pilotes champions du monde en DTM. Donc, c'est la grosse gomme, là. Donc, pour nous autres, c'est le fun. J'ai comme coéquipier Patrick Carpentier, un pilote de Champ Car qui a évolué longtemps dans la formule. C'est le fun de faire partie de ce groupe-là d'élite, justement, mondiale par rapport au pilotage puis par rapport aux équipes qui préparent les voitures. Donc, c'est une belle chance que j'ai là. Et est-ce que c'est un genre de série qui serait tentant pour le futur, pour faire de façon plus régulière? Bien, en ce moment, moi, mon forté, c'est sûr que c'est le NASCAR. C'est là-dedans que j'évolue bien puis que j'ai mes assises. Mais oui, dans mes temps libres, j'aimerais ça aller en faire un peu partout dans le monde parce que j'ai beaucoup de plaisir, je peux vous le dire. Ah oui. Allora, Louis-Philippe Dumoulin che ci racconta che ha, lo avete visto col suo sorriso, molto piacere a guidare queste macchine che sono di una potenza estrema, 550 cavalli, addirittura su una macchina che pesa appena 2000 libbre. E evidentemente è allo sponsor di WeatherTech che lo aiuta tantissimo attraverso questa esperienza, la sua prima esperienza in World Rallycross, proprio qui a Trois-Rivières. E possibilmente, chissà, nel futuro gli piacerebbe andare a fare anche il giro del mondo nei vari circuiti di rallycross. Louis-Philippe, on peut juste dire, on dira pas à la télévision, mais bonne chance. L'autre mot, on dira pas. Et bonne chance, puis on va suivre ça de très près aujourd'hui. Parfait, merci à vous. Bonne journée. A parlare di Rallycross, il FIA World Championship che viene a fare una puntata proprio qui a Trois-Rivières, un circuito molto conosciuto questo qui di Trois-Rivières perché ci sono dei grandi dell'automobilismo che sono passati per di qua, il signor James Hunt che ha fatto scoprire Gilles Villeneuve e tanti altri che sono venuti a correre qui in altre formule. Però questo weekend, c'è proprio il weekend del FIA World Rallycross e Patrick Carpentier, che l'anno scorso è andato molto bene, anche quest'anno è qui di nuovo. Patrick, bon retour au World Rallycross ici à Trois-Rivières et parle-nous un peu de la Marley's Mellow Mood, la voiture, comment ça va? Écoute, ça va pas si mal. La voiture est bonne, est excellente en milieu de virage, puis tout ça, hyper rapide. Manque un petit peu de puissance comparé à ce que j'avais l'an passé. Moteur 1.6 litres comparé à un moteur 2 litres qui est beaucoup plus puissant. Nous, on a 460 forces, 600 forces pour les 2 litres, donc assez bonne différence. Mais j'ai fait une petite erreur hier dans la première qualification. Il y a 4 qualifications, puis ce qui compte, c'est le temps total au bout de la quatrième. C'est ce qui décide les 12 positions en semi-finale. Et puis en frappant le mur hier, je me suis accroché avec un autre pilote.
Et ça nous a coûté beaucoup en temps. Deuxième a été mieux. J'ai fini troisième derrière Salberg et puis Liam Dorans. Fait qu'on a été recherché du temps. Mais sauf qu'il va falloir être parfait aujourd'hui si on veut avoir une chance à espérer au moins participer à la semi-finale. Et Patrick, quand on ne participe pas à une série comme ça à l'année longue, vous avez un défi supplémentaire. C'est ce qu'on parlait aussi avec Louis-Philippe Dumoulin. Dans le sens que vous êtes limité dans le temps de pratique. Dans la connaissance aussi de la voiture, comment s'adapter, ça représente quand même beaucoup de travail pour vous. Oui, c'est beaucoup de travail, mais sauf que si la voiture est bonne et compétitive, comme l'an passé, ça va quand même assez bien. Là. LP a eu des problèmes mécaniques un peu, moi avec le mur, puis le moteur qui manque un peu de puissance. L'équipe est au courant, ils savent, l'an prochain, ils sont après préparer un moteur 2 litres, justement, qui va être beaucoup plus rapide. Pour eux, c'est comme des essais cette année, ils ont fait quelques épreuves seulement, commencent à entrer dans cette série. Là, donc, ça fait beaucoup de nouveau pour tout le monde cette année. Et puis, mais quand la voiture est bonne, je te dirais que ça peut être surprenant. Tu sais, je regarde un Duranger qui fait quand même bien en RX Light à voiture égale avec tout le monde. Fait que non, ça c'est très important. Qu'est-ce qui fait qu'on a de si bons pilotes ici au Québec? Parce que quand même, la semaine dernière, c'était le Canadian NASCAR et ça a été la folie au niveau des pilotes québécois parce que ça a été tellement compétitif et tellement bon. Et je sais pas c'est quoi, mais les pilotes québécois ont quelque chose... j'imagine, tu sais, mettons, Patrick Carpentier, s'il ferait le circuit au complet, tout le championnat, Peter Salberg, faudrait qu'il se watch les fesses, là. Ah, je sais pas, tu sais, mais je pense qu'on serait compétitif si on faisait le championnat. Écoute, il y a beaucoup de talent au Québec, beaucoup de jeunes pilotes là, hyper talentueux là, qui sont après sortis du lot. Le seul problème, c'est au niveau des finances. Les commandites, c'est ce qui coupe un peu l'herbe sous le pied des pilotes québécois. D'aller aux États-Unis, ben ça prend un commanditaire presque américain. Fait que ça rend la chose plus difficile. Mais sauf que beaucoup de talent, écoute, dans le temps, si on avait encore la filière Players qu'on avait dans le temps, écoute, tu verrais les rangées, les pilotes monter avec beaucoup de succès. Toi, tu fais partie des vétérans, mettons, des pilotes québécois ici, quand même pas très vieux, mais quand même vétérans parmi ces pilotes-là. Est-ce que les jeunes viennent te voir, les Kevin Lacroix, puis ces gens-là, est-ce qu'ils viennent te voir pour te demander des conseils? J'ai vu qu'avec Andrew Ranger, vous échangez quand même certaines notes de piste. Ben oui, exactement. Écoute, avec Andrew, moi, ça fait 2 ans, je le fait qu'un peu plus... d'expérience. Même s'ils roulent bien, on s'est parlé beaucoup au niveau des départs, beaucoup au niveau de la voiture. Quand ils viennent comme ça, on en discute et puis j'essaie de donner des conseils et ainsi de suite. Mais non, on essaie de les aider. Surtout moi, je coupe plus aujourd'hui. Je fais seulement 3 Rivières. On vient s'amuser ce week-end-là. Fait que ça me fait toujours plaisir. Et tu as parlé d'un aspect important, le départ. Le départ avec ces voitures-ci. Peux-tu nous décrire un peu comment ça se passe, un départ avec ces voitures-ci? Ah, écoute, c'est une procédure hyper complexe. Quand l'équipe te donne une feuille pour t'expliquer la procédure de départ, c'est parce que c'est assez... Un manuel d'instruction. Ben oui, exactement. C'est des petits moteurs. Hein. C'est des 4 cylindres turbo qui développent quand même beaucoup de coupe, là, près de 800 livres de coupe. Donc, c'est énorme. Et puis, 100 forces de moteur. Mais sauf que la procédure est assez compliquée. Il faut toucher à beaucoup de boutons, monter les révolutions aux bonnes révolutions, laisser aller l'embrayage un peu pour que ce soit engagé, mais presque engagé. Et puis, il faut tenir le frein à main pour que la voiture avance d'un millimètre, parce que sinon, on peut se faire disqualifier pour un faux départ. Et donc, il y a beaucoup de choses à suivre. Il faut tout lâcher ça en même temps quand c'est le temps que la lumière s'allume. Fait que c'est assez complexe. C'est une étape... Il y a à peu près 5 à 6 étapes à faire avant de réussir à être prêt pour le départ. Donc, c'est vraiment quelque chose... Bien, je vois juste avec cette explication-là, là, il y a tellement de procédures et de choses à faire. C'est assez incroyable. Et... on le voit, là, c'est spectaculaire. Les voitures, quand elles décollent, là, c'est vraiment... on dirait que c'est en fast-forward. Et durant le circuit, quand même, de passer de asphalte à terre battue, ça aussi, il faut s'adapter. Oui, ça aussi, c'est quelque chose. Écoute, le virage, le dernier virage avant la ligne droite, avant, extrêmement difficile. Je te dirais, c'est le virage le plus technique du circuit. Le plus important aussi, parce qu'on sort sur la ligne droite par la suite, qui est la plus longue du circuit. Donc, il faut avoir une bonne sortie en virage. Et quand on arrive sur le pavé, le tarmac, si vous voulez, c'est plein de roches, plein de poussière. Fait qu'on sait jamais à chaque tour comment ça va être glissant, comment ça va être. Tu veux pas trop perdre de temps, fait que c'est quelque chose. Et c'est beaucoup de travail quand même dans le cockpit. C'est beaucoup de travail dans le cockpit. On a le frein à main qui agit... il agit sur plusieurs sens. C'est pas juste un frein à main qu'on tire, parce qu'il faut pas oublier que c'est des véhicules qui sont 4 roues motrices. Donc, les 4 roues freinent en même temps, mais ici, on a un système avant
lancer hydraulique électronique qui fait que quand on tire le frein à main, ça débarre le différentiel à l'arrière progressivement. Donc, plus on tire, plus la voiture tourne sur elle-même. Si on tire plus, là, on barre les roues. Mais il y a plusieurs étapes, même au frein à main, qu'on peut utiliser et c'est quelque chose. Donc, pour nos téléspectateurs qui regardent, piloter une de ces voitures-là, c'est pas un ride in the park. Ah non, c'est pas un ride in the park. Je vais te dire, à ce niveau-là, dans les supercars, l'équipe s'attend pas à ce que tu apprennes. S'attend à ce que tu embarques dans la voiture et que tu sois capable de la piloter. Fait que c'est quelque chose, mais écoute, c'est tellement plaisant. Conduire, pour moi, c'est comme un mix entre le motocross et une voiture de course. C'est fantastique. Allora Patrick ci racconta che ha tanto piacere essere pilota di queste macchine, guidare queste macchine, però avete capito che c'è proprio una procedura molto molto complicata per solo la partenza, c'è quasi un libro di istruzioni per imparare come si deve fare questa partenza ed essere molto competitivi, è una cosa davvero spettacolare, si devono avere molte molte qualità per essere competitive e le squadre si aspettano che i piloti siano competitivi in queste serie. Patrick Carpentier, merci et bonne course. Merci beaucoup. In compagnia di Dominique Fugère. Dominique Fugère che è il direttore generale di questo Gran Premio di Trois-Rivières. Gran Premio, come lo sapete, che ha tanta, tanta storia. Dominique Fugère, bonjour et bienvenue à notre émission. Merci beaucoup, merci d'être là. Dominique, comme nos téléspectateurs le savent si bien, on suit tellement le sport automobile. Grand Prix de Trois-Rivières, c'est quasiment légendaire, ça a une histoire incroyable. Il y a des gros noms qui sont passés par ici. Et maintenant, tu es à la tête de ce Grand Prix-là depuis bientôt 4 ans. D'avoir une série comme le FIA Rallycross, World Rallycross ici, c'est quand même un exploit. Peux-tu nous parler un peu de comment toute cette aventure d'amener le Rallycross est venue? Ben, nous, ici, on fait des courses depuis maintenant près de 50 ans. C'est notre 46e édition. Et à l'époque, un de mes amis, Jean-Michel Leroy, qui est journaliste avec qui je couvrais le sport automobile, lui, c'est un Français. Moi, je couvrais pour un quotidien montréalais à l'époque. Il m'a mis en lien avec les gens du World Rallycross parce qu'ils cherchaient un emplacement en Amérique du Nord, préférablement, en tout cas en Amérique. Parce que pour la FIA, pour qu'un championnat passe de championnat européen ou championnat continental à championnat du monde, on doit être présent sur 3 continents dans un minimum de 8 pays. Le championnat du monde de rallycross avait maintenant une entente avec Istanbul en Turquie, mais du côté asiatique. Donc, on était correct, on touchait 2 continents. C'est un championnat européen qui existe depuis 1976. Donc, ça allait. On avait l'Europe, l'Asie, et là, il fallait trouver un 3e continent. Donc, Martin Anahi, qui est le directeur de gestion du championnat, m'a demandé, « Est-ce que tu connais un endroit? » Et pour lui et pour Jean-Michel, ben. C'était pas naturel, parce que Trois-Rivières, c'est un circuit urbain. Donc, pour eux, on était en ville. D'avoir la portion de terre battue, c'était impossible. Mais ils n'auraient pas pu imaginer qu'on avait l'hippodrome de Trois-Rivières juste derrière, qu'on pouvait connecter. Et c'est un circuit sur lequel il y a eu des courses de voitures par le passé. Il y a eu des courses de moto. Et c'est un circuit naturel là, pour avec la terre battue. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté le circuit de ville avec l'hippodrome, et ça nous a donné le circuit mi-asphalte, mi-terre battue nécessaire. Qui était nécessaire pour le World Rallycross. Il y a même eu parmi toutes ces courses-là, même en hiver, il y avait les courses sur glace qui venaient ici, et donc ça se passait tout ici. Donc c'est un lieu qui se prête de façon très polyvalente à tout genre de courses. Absolument. Puis pour nous, on sait que chez nous, les gens sont d'abord et avant tout des amateurs d'adrénaline, des amateurs de course auto, de sport motorisé. Donc, en leur donnant plus de variété, on sait qu'on va chercher un plus large public. C'est un peu ça qu'on a décidé de faire en allant sur 2 week-ends cette année. C'est qu'on a notre week-end traditionnel de circuit routier pour nos amateurs qui sont avec nous depuis les 40 dernières années. Et on a aussi maintenant le rallycross, la drift, un tout élément de drag pour être capable d'attirer une autre foule. Mais on réalise qu'il y a pas mal de croisements entre les deux. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour les deux. Ça, c'est sûr que c'est très flatteur pour nous, très intéressant. La beauté, justement, de ce croisement-là, c'est qu'il y a des pilotes qui sont, ils font le Canadian NASCAR et ils font aussi d'autres séries, là, le CTCC, autre chose. Et ils sont comme transfusés, si on veut, aussi vers le World Rallycross. Donc, ça fait 2 week-ends où on peut suivre certains de nos meilleurs pilotes,
comme Patrick Carpentier, comme Andrew Rangier, comme Taliani, comme Louis-Philippe Dumoulin et bien d'autres. Donc, ça donne un pilote qu'on peut suivre de façon comme un idole, si on veut, ou peut suivre une évolution durant la course. On sait qu'en course automobile, si on veut avoir du plaisir à suivre, on choisit un pilote, on choisit une voiture et on regarde le progrès de ce pilote-là, de cette voiture-là. C'est un peu ce que les gens peuvent faire maintenant, parce que, comme tu l'as dit, Dumoulin et Carpentier sont en championnat du monde de rallycross. Ensuite de ça, on a Rangé et Taliani qui vont s'affronter en RX Light. On a nos pilotes de side-by-side aussi, la classe qu'on a décidé d'amener. Ce sont tous des Québécois. Pour nous, ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement d'avoir... les gens peuvent s'associer, ils peuvent s'en choisir un. Il y a même des petites rivalités qui se développent tant dans les gradins que dans nos loges que devant la télévision. C'est vrai. C'est un peu comme les gens qui vont encourager une équipe de hockey ou une équipe de soccer, ainsi de suite. Et parlons un peu de... Le Grand Prix, quand même, sur deux week-ends, c'est quand même beaucoup d'organisation. Vous avez beaucoup de gens qui travaillent ici, beaucoup de bénévoles. Ça a l'air à fonctionner de façon très impeccable, de façon comme il y a de l'huile dans l'engrenage et ça va super bien. C'est quoi la clé du succès à un Grand Prix comme ça? La clé du succès, c'est vraiment le travail acharné de nos bénévoles. On a de bonnes équipes en place qui sont ici depuis longtemps. Nos gens nous aiment, sont avec nous depuis longtemps. Ils restent avec nous. Puis... C'est une ambiance très amicale aussi, je trouve, par rapport à d'autres circuits, parce qu'on voyage, des fois on va à d'autres endroits, des fois c'est plus froid, c'est plus, je sais pas, jet set, si on veut. Ici, c'est tellement convivial, c'est vraiment impressionnant. Vous savez, nous autres, on le voit un peu comme un party de feu de camp, comme un grand party. On organise ça pour nos chums, on invite le monde qui sont là, on prend une petite bière tranquille, on a une activité, au lieu d'avoir un feu, on a des courses, mais... On est regroupés vers une passion commune. Puis à Trois-Rivières, ça fait partie du tissu social. Il y a 200 000 personnes. Tout le monde met l'épaule à la roue. Tout le monde nous prête une petite portion de sa ville pour qu'on soit capable d'organiser ce Grand Prix-là. Puis pour nous, vraiment, ça, c'est la clé. C'est la collaboration avec nos bénévoles, avec nos partenaires, les sponsors, bien évidemment, mais aussi avec des partenaires gouvernementaux, la ville de Trois-Rivières, le maire Yves Lévesque. Donc c'est vraiment ça qui est la clé pour nous pour que tout fonctionne. C'est vraiment convivial et on le sait, il y a une grande tradition ici à Trois-Rivières. Il y a des pilotes qui ont fait leur émergence, si on veut. On pense à Gilles Villeneuve, on pense à d'autres... Jacques Villeneuve aussi. James Hunt qui est venu d'Angleterre et c'est lui, en fait, qui avait découvert, si on veut, Gilles Villeneuve et qui a dit aux gens là-bas, hey, il y a un jeune Québécois qui est tellement rapide. Mais je voudrais aussi revenir au fait que Dominique Fugère est journaliste sportif. Comment on fait pour passer de journaliste sportif à directeur général d'un Grand Prix? Parce que c'est ta passion quand même. Oui, moi, le sport automobile, c'est une grande passion depuis longtemps. Puis, comme souvent, là, moi, je suis au département des jouets. Là, je suis ici pour m'amuser. Puis, ça, c'est du bonbon ici. Exact, c'est du bonbon. Puis, j'ai été journaliste pendant longtemps. Et l'avantage que j'ai eu, c'est de pouvoir avoir beaucoup de courses dans beaucoup de classes, dans beaucoup de pays. De ramasser des observations un peu partout puis d'amener ça ici. On met ça dans le chaudron puis on se fait une soupe qui est à notre goût, mais avec des petits éléments d'un peu... C'est comme une bonne minestrone, hein? Ecco, bravo, c'est en plein ça. Ça prend les bons ingrédients. Voilà, et ça prend pas juste de la viande, ça prend pas juste des fèves, ça prend pas juste des tomates, ça prend pas juste des pâtes, un petit peu de tout. Et on va chercher les pâtes qui sont dans la tradition italienne, on va chercher les fèves, on va chercher... C'est vraiment une grosse minestrone qu'on brasse ici, qu'on est fiers de partager avec tout le monde, un petit bol pour tout le monde. Es-tu satisfait des résultats jusqu'à présent? À date, ça va très bien. Il est encore tôt aujourd'hui, évidemment. C'est seulement le réchauffement qu'on voit. On n'est même pas encore aux qualifications. Les finales ce soir, vers 19h30, là, ça risque d'être bien intéressant. On veut voir les gradins bondés. La météo est de notre côté. D'habitude, ça, c'est le bout qu'on contrôle pas. Mais là, heureusement, on peut en profiter. Donc, on est très, très heureux. Et on sait qu'il y a quand même une entente long terme, entre guillemets, avec les gens du World Rallycross. Qu'est-ce que ça représente pour Dominique Fugère et le Grand Prix de Trois-Rivières? Nous, ce que ça nous permet de faire, c'est de bâtir pour l'avenir. L'an dernier, on a eu notre première édition. Ça a bien commencé, mais c'était pas complètement peaufiné. Cette année, on a amélioré beaucoup. La surface est de beaucoup améliorée. Après ça, pour nous, ce qui est important là-dedans, c'est de toujours continuer notre amélioration et de devenir... l'objectif, il est très clair et il est connu de tous, c'est d'être le meilleur arrêt dans le championnat du monde de rallycross. La compétition est forte, là. Oui, il y a Trois-Rivières, mais il y a aussi Barcelone, il y a Istanbul, il y a San Luis en Argentine.
maintenant Riga en Lettonie. Donc, Trois-Rivières fait partie d'un club select de grandes villes et on veut être le meilleur parmi ces grandes villes-là. Et est-ce que le fait d'avoir un arrêt ici en Amérique du Nord fait en sorte que peut-être les États-Unis ou d'autres places, Mexique, voudraient avoir un championnat? Ça, c'est une vitrine, là. Ça reste à voir, ça se parle. On sait qu'il y avait, hier, il y avait des gens, des représentants de circuits américains qui sont venus voir comment on travaillait, qui sont venus voir de quoi ça avait l'air le championnat du monde de rallycross. Puis ces gens-là ont bien aimé ce qu'on fait. Et s'il y a un promoteur américain qui veut se pointer, c'est sûr que ça va nous faire plaisir d'être peut-être, je dirais pas un guide, des guides, mais en tout cas, peut-être pas des mentors, mais en tout cas, deux guides, c'est un bon mot. Dominique Fugère, toujours un plaisir. Beaucoup de chance et beaucoup de succès, on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci, Piero. Salut tout le monde. Ecco, allora avete sentito Dominique Fugère che ci racconta di questo Gran Premio qui a Trois-Rivières. Lui è molto molto occupato, ci sono anche gli americani che vengono a vedere se c'è una possibilità di fare qualcosa negli Stati Uniti. Loro, come dice lui, saranno delle guide per forse indirizzare le cose, ma è molto contento di tutto il lavoro che è stato fatto fino adesso. Questo Gran Premio è per il FIA World Rallycross. Ciao a tutti! Trovo con il solo rappresentante italo-canadese proprio qui nel World Rallycross. Siamo fortunati di avere uno come lui qui perché oggi proprio è finito primo in questa prima qualificazione il signor Alex Taliani. Alexandre, merci e benvenuto a questo programma che dedichiamo al World Rallycross. Prima volta che guidi queste macchine? Sì, prima volta. E la tua impressione? Beh, sono delle macchine molto leggere, quattro ruote motrici, 350 cavalli e hanno dei buoni freni, allora no, le macchine sono fantastiche da guidare. Cioè, sembrano molto divertenti da guidare, no? Sì, perché specialmente quando esci di una gara di NASCAR dove le macchine sono molto più grosse, molto più pesanti e hanno molto più potenze, però hanno soltanto trazione dietro. E la macchina non puoi guidarla molto con aggressività, devi guidarla, devi spingere per sfruttare i decimi, però devi fare attenzione perché non c'hanno freni, non c'hanno gomme, se tu la spingi troppo ti mancano freni e gomme alla fine della gara. Invece queste qua, prima cosa, le heat sono di 4 giri, allora devi spingere dal primo giro. È uno sprint. Uno sprint fino alla fine e non manchi mai i freni, non devi pensare alle gomme e ai freni, devi soltanto non fare errori, che è molto difficile perché c'hai tarmac, asfalto, e c'hai gravel, la terra, e non siamo abituati, allora... È interessante, è un buon challenge. E Alexandre, come è venuta questa tua occasione per correre qui questo weekend con Euroblock, mi sembra? Sì, c'ho dei bei sponsor, c'ho EpiPen, Prolon, che è una compagnia che fa dei sistemi di ventilazione per le case veramente sofisticati, e Euroblock, un sponsor che ho da quest'anno, che è una compagnia québécoise. Allora, no, sì, è molto, molto, sono molto fortunato di avere delle belle associazioni così con della gente di qua. Però ero qua la settimana scorsa, correvo nel NASCAR, correvo nella CTCC con la Mustang di Fast Wheel. Quindi questa è un'altra serie da aggiungere alle tante tante serie che Alexandre Taliani guida. Sarebbe una cosa che ti piacerebbe fare anche in un modo più conseguito, come un campionato? Beh, ci sono tante cose che mi piacerebbe fare. Però, vedi, ho una grande responsabilità con la compagnia Pfizer del Canada, che faccio la promozione di EpiPen. Allora, ho delle grosse allergie alle nocciole e ho un lavoro da fare. Allora, correre nel Rallycross mi porta via della mia prima priorità. Però sì, è come andare al ristorante e avere la possibilità di prendere tutto sul menu. Allora, guidare tante macchine quando ho la possibilità è qualcosa che mi piace fare, è un challenge, non sono facili da guidare,
Pensavo di prendere una fine settimana off, perché la fine settimana prossima sono a Mid Ohio per la squadra Penske. È un bel contratto quello. 22. E dopo c'ho una fine settimana off, dopo sono a Mosport per la gara di NASCAR e faccio ancora della CTCC. Allora, quindi un calendario molto molto occupato, e certamente i fans locali sono molto contenti di vederti qui e di vedere che sei competitivo. Alexandre, ti facciamo tanti auguri, grazie per questo tuo tempo, sappiamo che è molto ristretto questo weekend e ti facciamo tanti auguri. Grazie mille. Mi trovo con il signor Gianni Scatolin, proprietario e fondatore, cofondatore diciamo, di Euroblock e uno degli sponsor della macchina di Alex Taliani. Gianni, benvenuto al nostro programma. Grazie, Piero. Abbiamo spesso l'occasione di intervistare tuo fratello Ivano quando andiamo alle varie corse e adesso vedi, siamo in un luogo di corse e abbiamo con noi Gianni Scatolin che è implicato con Alex Taliani. Come è avvenuto questo incontro con Alexandre Taliani? Beh, Alex lo conosciamo da anni e sta costruendo una casa, allora è venuto a vederci e parlando di suo progetto ha voluto che facciamo qualcosa di particolare per lui. Allora, a livello di pietra? A livello di pietre, sì, perché volevo qualcosa un po' più moderno, con un stile particolare e abbiamo deciso che sarebbe una buona occasione di investire su un stampo, di produrre questo prodotto che crediamo andrebbe anche buono per altre clientela. Quindi è come un trendsetter, come si dice in inglese, il signor Alex Taliani, visto che ha voluto questo stampo particolare. E la ditta si chiama Euroblock. Da quando è fondata questa ditta? Euroblock è 7 anni che siamo in operazione, 4 anni che facciamo i nostri propri prodotti. Facciamo antrote della massoneria, facciamo anche il pavé-uni. E siamo una piccola azienda a Boisbriand, però ci vogliamo occuparsi dei clienti. E di essere implicato nell'automobilismo, so che tuo fratello è sempre dappertutto in tutti i circuiti quando può andarci, lo vediamo spesso a Mont-Tremblant. Da parte tua sei uno che sei appassionato anche tu di automobilismo? Sì, beh, mio fratello anni indietro mi ha dato questo l'APQ, come si dice. Io ultimamente sono stato più implicato nel ciclismo, mi piace fare il ciclismo. Però adesso con Alex abbiamo cominciato a rivenire a vedere delle corse, però devo dire che la piacere mi è rivenuto, sì. Torna presto perché è davvero eccezionale vedere queste macchine. Gianni, grazie per questo tuo tempo, ti facciamo un auguri per un bel weekend e speriamo di rivederci chissà su altri circuiti. Speriamo di sì e grazie a te, grazie. Arrivederci. Uno degli eventi che si trovano anche qui al circuito di Trois-Rivières, Grand Prix di Trois-Rivières, c'è un club che si chiama Ladies on Wheels e sono con la fondatrice presidente di questo club, Véronique Bouchard. Véronique, bonjour, bienvenue à notre émission. Bonjour, merci beaucoup. Ladies on Wheels, c'est quoi? Ladies on Wheels, c'est un groupe, une organisation de tuning féminin, donc c'est que des filles et que des filles, créée en 2013 en août, donc ça va faire maintenant 2 ans qu'on est ensemble. On a maintenant environ 400 filles dans le groupe, donc c'est vraiment beaucoup. Et qu'est-ce que ça prend pour faire partie de ce club? Être une fille. À part être une fille, il faut avoir une voiture? Avoir une belle voiture avec des modifications, des mags, une suspension, n'importe quoi qui est modification. Ça peut être au moteur aussi. M'habiter au Québec, Montréal, Québec, dans le coin. C'est pas mal ça, les critères. Et vous êtes quand même pas mal, je pense, 400 membres? Oui, on est environ 400. On n'est pas 400 actives en tout temps, parce qu'il y en a qui habitent loin, etc. Mais on est environ, je dirais, une bonne 200, environ 200 à vraiment très actives, là. Et quel genre d'événement est-ce que Ladies on Wheels participe? Le Grand Prix de Trois-Rivières, le Grand Prix de Montréal. Ça fait 2 ans qu'on est là-bas. L'année prochaine, on sait qu'on va être là aussi encore. Par exemple, le Stade olympique, mon Dieu, plein d'activités, tu sais, tout ce qui est Drift Mania, etc., les expositions à Montréal. Donc, les filles qui font partie du groupe, c'est des filles qui font du tuning, évidemment, avec des belles voitures. Ils font du drift, tu as mentionné. Est-ce qu'elles font aussi des courses? Oui, on a du drift, des courses, exposition show and shine. On a vraiment des filles, même des mécaniciennes, qui font ça de leur vie même. Donc, c'est vraiment très, c'est des passionnés, là, purs. Et qu'est-ce qui a fait que Véronique Bouchard a décidé de partir ça?
C'était plus un gag entre amis, une blague à la base avec des amis gars qui ont des organisations de tuning aussi pour gars. Puis ils m'ont dit, tu sais quoi, t'es un peu leader. Fait que vas-y donc, essaye, tu sais. Puis on a fait ça en riant. Puis finalement, 400 membres plus tard, on est encore là. Fait que... 400 membres après 2 ans, ça veut dire qu'il y a quand même un engouement pour ça. Il y a des filles qui sont évidemment ferventes de sport automobile, mais pas seulement sport automobile. Le tuning, c'est tout un autre aspect là, de l'automobile. Qu'est-ce qui t'attire, toi? Juste le fait de faire quelque chose pour soi puis que les gens trouvent aussi beau. Donc, à la base, on le fait pour nous-mêmes. On bâtit un véhicule qu'on aime. Puis quand les gens... C'est un neck breaker en anglais, mais les gens se revirent pour le regarder, tu sais. Ça, c'est un petit feeling plaisant. Puis d'entendre les sons des drifters puis la course, c'est vraiment le fun. Là. Ça fait tourner des têtes. Exactement. Pas seulement pour les filles, mais pour les belles voitures. Aussi. C'est un tout. Véronique Bouchard, merci beaucoup et beaucoup de chance. Y a-t-il un site web qu'on peut voir? Oui, vous pouvez aller sur la page Facebook de Ladies on Wheels. On est très actifs de ce côté-là aussi. Là. Super. Merci beaucoup. Allora, qui a Trois-Rivières, siamo con il sindaco di questa bella città di Trois-Rivières. On est avec le maire de Trois-Rivières, M. Yves Lévesque. M. Lévesque, bienvenue à notre émission. Bien content, surtout, je veux dire un beau bonjour à toute la communauté italienne. Vous savez, on avait une fête ici pendant plusieurs années qui s'appelait la Ferragosto. Ferragosto, parce que justement, les Italiens fêtent les vacances justement au mois d'août. Et là, on a une grande fête qui est le Grand Prix de Trois-Rivières, pour lequel vous êtes un des... Un des instigateurs et ceux qui ont fait en sorte que le Grand Prix ait du succès, parce que vous êtes à la mairie depuis 1999. Mais parlez-nous un peu de qu'est-ce que ça prend pour avoir un succès comme ça et d'avoir autant de gens ici. Bien, premièrement, ça prend une qualité de spectacle incroyable. Alors, on peut voir que cette année, on a beaucoup... La nouvelle génération recherche l'adrénaline. Alors, le drift... le rallycross, qui est très fort en Europe, on en est ce type de série-là chez nous, que c'est la première course en Amérique du Nord. C'est qu'on retrouve plusieurs pays chez nous à travers cette course-là, mais c'est une course qui est en croissance. On est la seule ville en Amérique du Nord qui a cette course-là présentement, qui est à découvrir. Je peux vous dire qu'on sait pourquoi maintenant que les Européens aiment cette course-là. C'est vraiment palpitant. C'est du début à la fin, il y a toujours quelque chose de spécial. Et on a le NASCAR qui est là aussi. Alors, c'est vraiment deux fins de semaine et c'est des retombées comiques importantes pour la ville de Trois-Rivières. Et on parle de 18... C'est un événement qui attire beaucoup de gens. C'est un événement qui attire des gens de l'extérieur, de partout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de ça. Vous êtes un peu le Denis Coderre du sport automobile, parce que lui, il veut du baseball à Montréal. Vous avez du sport automobile. Vous êtes aussi un fervent passionné de sport automobile, je pense. Oui, j'adore la vitesse. C'est un de mes défauts. Je peux vous dire, c'est pas évident. Je pense que je suis seul maire au Québec qui a perdu son permis de conduire à cause de la vitesse. Mais j'ai eu la chance de courir au Grand Prix de Trois-Rivières. Et pour moi, c'était la plus belle expérience. Les gens qui viennent au Grand Prix de Trois-Rivières, ce qu'ils aiment, c'est d'être aussi près du Grand Prix. On peut pas être aussi près du Grand Prix qu'ailleurs. Ici, là, vous savez qu'à la fin d'une course, votre verre de bière, il est rendu noir. On est tellement près de la course que votre verre de bière il devient noir. Et les gens aiment le spectacle, aiment le fait qu'on peut côtoyer les pilotes facilement comparativement à d'autres Grands Prix. Et je tiens à dire que c'est le seul Grand Prix qui est supporté par des bénévoles. Il n'y a personne qui fait de l'argent avec ce Grand Prix-là. Il y a 1000 bénévoles qui travaillent pour le Grand Prix. Et, pour leur dire un grand merci. Oui, un grand merci à ces gens-là. Que les séries drift, c'est-tu quelque chose que vous aimeriez essayer, ça? Absolument, 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 absolument. C'est palpitable. Ce qui est le fun de voir, c'est tous les coureurs qui sont venus courir ici, qui courent à travers des circuits, à travers le monde. Leur coup de cœur, c'est à Trois-Rivières. Autant au niveau de la piste que hors piste. Autant qu'il y a un spectacle incroyable sur la piste, hors piste au centre-ville après, il y a plein d'événements. Les gens tombent en amour avec notre ville grâce au Grand Prix de Trois-Rivières. Et on vous invite, pour ceux-là qui ne sont jamais venus, venez découvrir. Commentaire, on sait, c'est comme la course automobile, ça va vite, mais on aime ça. Exactement. Vous savez, ce que j'aime des Italiens, c'est comme les Québécois. On est des gens passionnés, on aime la vitesse, la famille. Le travail, c'est important, mais avoir du plaisir, c'est plaisant. Et on vous invite à venir au Grand Prix, parce qu'il n'y a rien de mieux pour avoir une ambiance de plaisir et de voir des gens qui performent. Merci, M. le maire. Merci. Je suis
suis avec Martin D'Anjou. Martin D'Anjou, Grand Prix de Trois-Rivières, un événement vraiment superbe parce que ce week-end, il y a le Rallycross. On a vu du drift, c'est absolument spectaculaire. Ton rôle, Martin, dans tout cet événement-là, c'est quoi? Bien, nous, dans le fond, on est un partenaire majeur maintenant avec Castrol. Donc, nous, avec la série nationale Festrail Castrol, bien, on a été mandaté pour essayer de faire un partenariat avec le GP3R. Et maintenant, Castrol est rendu l'huile officielle du GP3R. On a une tente d'hospitalité, on invite les clients de partout en province à venir faire un tour avec notre tente d'hospitalité. Et en plus, cette année, ce qui est bien, c'est qu'on fait partie intégrante du spectacle. Donc, la série nationale Festrail Castrol fait partie du GP3R pour la deuxième week-end. Donc, on meuble entre le rallycross et la drift, les temps morts, et on fait des courses d'accélération là, sur la ligne de départ ici même. Pour organiser des événements comme ça et pour faire partie à travers, mettons, le Québec, pour toutes sortes d'événements comme ça, c'est sûr qu'on sait au Québec qu'il y a un engouement pour le sport automobile. Est-ce qu'un commanditaire comme ça recherche évidemment des événements comme ça? C'est quoi la clé du succès? Bien, surtout dans l'huile, on s'entend, ça en prend pour dans toutes les sortes de moteurs. Donc, que ce soit monsieur, madame, tout le monde à la maison ou des compétiteurs, bien, l'huile, c'est le nerf de la guerre. Donc, nécessairement, Castrol retrouve sa clientèle parce que c'est beaucoup de garagistes qu'on invite. C'est des gens de l'industrie. Donc, nécessairement, l'industrie se sent interpellée dans ce genre d'événement-là, dans le genre d'événement qu'on fait. Donc, on s'est dit un plus un fait deux. Donc, le GP3R, gros succès. Sérieusement, puis en plus, ce qui est le fun, la température est des nôtres. Incroyable. Ça, on s'entend, c'est le plus qui fait que tu passes de héros à zéro. C'est juste ça. C'est sûr que c'est un gros plus. Les gens prennent du soleil, ils ont du plaisir, ils voient des voitures qui font des effets absolument spectaculaires. On l'a vu avec le drift. Fin de semaine, on s'entend, là, pour la première fois, le Grand Prix est international. Bon, depuis l'an passé, mais cette année, on a le week-end international. Tous les yeux du monde, c'est 183 pays qui visionnent ce qu'on va voir en fin de semaine au GP3R. Donc, c'est une carte postale pour Trois-Rivières et pour le Québec à l'international avec la seule unique tranche en Amérique du Nord du Rallycross, donc c'est incroyable. Et non seulement pour le Rallycross, mais pour Castrol aussi, c'est un exposure de plus au niveau international. C'est un huile, c'est un brand international, donc d'avoir un partenariat ici même au Québec et d'exporter le brand grâce aux Québécois à l'international, bien, gars, c'est un plus pour tout le monde. Et sais-tu si c'est un partenariat qui pourrait se développer en quelque chose à long terme? Oui, bien, ça sent très bon. En tout cas, à moyen terme, c'est sûr. L'an prochain, on est déjà en négociation pour l'an prochain. Donc, on est vraiment contents. Puis ce qui est le fun, bien, c'est des retombées directes ici à Trois-Rivières pour la gang de Trois-Rivières. Tu sais, c'est central, c'est ça qui est le fun à Trois-Rivières. Tu es à 1h30, 2h de pas mal toute la province, finalement. Donc, avec les clients, tu sais, c'est un win-win. Donc, vraiment, on est déjà en négociation pour 2016. Martin D'Anjou, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis pour ceux et celles qui veulent venir nous voir, festrail.com. Puis là-dessus, bien, faites du bruit. Un evento come questo qui al Gran Premio di Trois-Rivières non può accadere senza gli sponsor. E uno degli sponsor maggiori di questo evento è la ditta Castrol. Castrol che fa proprio dell'olio evidentemente per l'automobilismo, non solo per le macchine di strada ma anche per quelle di corsa. E mi trovo con il rappresentante delle vendite qui proprio qui a Trois-Rivières, il signor Xavier Huberdeau. Xavier, bonjour, bienvenue à notre émission. Ben oui, merci beaucoup. Merci de m'accueillir à votre émission, c'est gentil. Xavier, Castrol, évidemment, c'est une huile très connue mondialement. D'être impliqué avec le Grand Prix comme ça, comme commanditaire majeur, quand même, c'est un bel exploit. Oui, définitivement. C'est notre troisième année ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Et puis, on a décidé de devenir partenaire officiel du Grand Prix maintenant pour les deux prochaines années. Donc, on a une présence maintenant sur le circuit même avec Castrol. Et puis, on a beaucoup de clients qui viennent ici nous voir avec beaucoup de véhicules de course. Donc, on est très bien impliqué avec le Grand Prix. Là, ouais. Et Castrol, bon, on sait, c'est quand même une compagnie qui, au niveau mondial, est très connue, mais d'avoir l'exposure via un événement comme celui-ci, c'est un gros plus. Oui, définitivement. Donc, ce qu'on a ici en fin de semaine avec le Rallycross, c'est tourné dans 183 pays. Donc, la visibilité est super le fun. Et puis, c'est un événement super, super amical. Donc, les clients sont très près des pilotes de course. On a beaucoup de commandites aussi en véhicule. Fait que ça vient rejoindre beaucoup notre clientèle à nous. Là, fait que... C'est quelque chose qui revient souvent, ce commentaire-là. C'est amical, c'est convivial. Les gens s'amusent, ils sont proches des pilotes, ils sont proches des voitures, parce que dans le fond, c'est ça aussi qu'on veut voir. Et on sait qu'il y a quand même des dragsters ici qui font partie d'un FestiDrag. Vous êtes aussi commanditaire de ça? Oui, définitivement. On est commanditaire de l'événement FestiDrag depuis, si je me trompe pas, aux alentours de 16 ans avec Martin D'Anjou. Donc, on est très impliqués parce qu'on veut que nos clients, dans le fond, ressentent si l'huile est bonne pour un dragster de 5000 chevaux, elle devrait être bonne pour une Hyundai Accent aussi. Donc, les gens s'associent avec la compagnie de plus en plus. Donc, c'est super le fun.
Nous, les Italiens, on est fiers de notre huile d'olive. Vous, vous êtes fiers de l'huile à moteur. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a, Castrol, de spécial, qu'elle fournit au moteur, que, mettons, une autre huile n'aurait pas? Oui, donc Castrol, on est la seule compagnie au monde qui font nos propres additifs d'huile. Donc, on a un pattern très spécifique qui est breveté chez nous. Castrol, ça date de 1899, donc c'est une des plus vieilles compagnies d'huile au monde. Donc, on fabrique nos propres additifs pour rencontrer les exigences du manufacturier. On les surpasse, en fait. Et donc, quelqu'un qui même voudrait faire une certaine huile, vous pourriez, avec la Research and Development, développer une huile? Oui, exactement. Donc, nous, on développe beaucoup d'huile pour beaucoup de manufacturiers. On a des ententes avec Volkswagen partout sur la planète. Tout le groupe Volkswagen, on a tout ce qui est Volvo, Jaguar, Land Rover. Donc, nous, on fait le développement des huiles avec les ingénieurs de ces manufacturiers-là pour avoir une huile qui est adéquate pour chaque voiture. Très intéressant. Merci et au plaisir de se voir ici, année après année. Certainement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien gentil. Merci. Siamo giunti alla conclusione di questo programma di Sportivi a 360 gradi proprio qui dal circuito di Trois-Rivières nel quadro del FIA World Rallycross, dove abbiamo avuto delle belle interviste con dei piloti locali ma anche con dei protagonisti di questo Gran Premio. Speriamo che vi sia piaciuta la puntata. Da Piero Facchin proprio qui da Trois-Rivières vi do appuntamento alla prossima puntata di Sportivi a 360 gradi.